Vas-y. Donc bonjour mesdemoiselles. Donc aujourd'hui c'est la première manche du TRJC à Sarrebourg. Qu'est-ce que vous avez pensé de la journée? C'était bien. Ouais. Parce qu'elle était assez complète. Oui. Ouais. Comment vous avez trouvé le fait que vous puissiez retrouver les activités plusieurs fois? Notamment sur les sprints, les jeux d'adresse, vous êtes passé à plusieurs reprises. C'est mieux de passer à plusieurs reprises une épreuve que D'accord. Et sinon, exceptionnellement, aujourd'hui, il y avait une piste de BMX en démonstration. Est-ce que vous avez été faire un tour dessus? Ouais. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que cette activité-là sur une autre manche, ça vous intéresserait? Plus de temps à parcourir cette démonstration. Quoi. Bah, merci de cette interview. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à la première manche du TRJC à Sarrebourg. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée? C'est bien. Le fait qu'il y a plusieurs activités, notamment les sprints, les jeux d'adresse, le fait de pouvoir refaire plusieurs fois les activités, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a plu par rapport au traditionnel sprint en série? Bah oui, parce que ça ne nous permet pas, on n'attend pas en fait. D'accord. Et par rapport aux jeux d'adresse qui ont été remis aussi chez les catégories minimes, est-ce que ça vous a plu? D'accord. Et exceptionnellement aujourd'hui, il y avait une piste de BMX en démonstration. Est-ce que vous avez participé à l'activité? Non. Non. Et Olivier, toi qui as participé, est-ce que tu penses que c'était utile de l'avoir et ça te donne envie éventuellement sur une autre manche d'aller faire un petit tour comme ça, découverte? Oui, c'est marrant, ça aide un petit temps. D'accord. Attendre sur la piste de BMX. D'accord. Bah, je vous remercie de votre participation et puis bonne récompense. Merci.